Maintenant, je vais vous montrer comment faire de la création de couleurs. Donc, je vais me servir encore une fois d'Erika et on va mettre trois bandes de couleurs. Là, en l'occurrence, donc un blanc, un rose cerise de chaque côté du blanc. Et ensuite, on va racler plein de fois et ça va nous donner ce joli rose fluo. Toujours pareil, petite bascule. Et on obtient un rose qu'on n'avait pas dans notre collection.